Bonsoir à tous et bienvenue. Vous êtes toujours dans le Global Digital Music and Entertainment Forum du Tropic Business Summit. Depuis Dakar, c'est Oumi Regina Sambou qui vous parle. Tout de suite, place au panel consacré au futur de la musique et du divertissement en Afrique qui recevra Paula Audrey-Beng, Bayassiamala, Elvis Abidjema. Nous allons parler du futur de la musique et du divertissement en Afrique. Paula est là. Bonsoir, Paula. Bonsoir, Oumi. Oui. Vous êtes la fondatrice de l'agence Panel. Je vais entrer directement dans le vif du sujet. Paula, comment voyez-vous le futur de la musique et du divertissement en Afrique? Alors, le futur de la musique tel que je le vois en Afrique, je le vois associé au développement et à la démocratisation de l'accès à la technologie, spécifiquement Internet, puisque aujourd'hui, l'essentiel de la musique, en tout cas hors Afrique, et sur le web, et notamment avec de plus en plus de pouvoir, du moins de moins en moins de pouvoir dans les mains des labels et de plus en plus sur les plateformes de streaming. Donc, bien évidemment, on a quelques problèmes encore à démocratiser l'accès ici pour des questions de prix, notamment de la data. Donc, je pense que ces deux points-là, à mon avis, vont progresser de manière assez. Vont progresser en parallèle. Plus on aura de personnes qui sont connectées, plus on aura aussi de création de contenu, plus on aura de consommation, et à mon avis, plus on va pouvoir créer des avenues de rémunération pour les artistes, hein, spécifiquement, en tout cas pour monétiser sa musique. Mais voilà, c'est un futur probablement à moyen terme, parce que pour le moment encore, on est sur des questions d'infrastructure à mettre en place ou à rendre plus accessible. Et d'autre part, il y a encore une énorme place du show, du live et de la scène, hein, qui reste encore une des avenues principales, si ce n'est l'avenue principale en termes de rémunération et donc aussi de diffusion quelque part de la musique. Et pour ce qui est du divertissement? Pour ce qui est du divertissement, alors je dirais un peu pareil, parce que la vraie bataille aujourd'hui se fait autour de la distribution. Puisque quelque part l'Afrique a déjà prouvé qu'elle est capable de créer, donc le débat n'est plus à ce niveau-là. Nous savons ce que nous sommes capables de créer en termes de contenu, de fiction, en termes de divertissement, quel qu'il soit. Donc maintenant, c'est vraiment plus la distribution et trouver un business model, à mon avis, qui va être crucial, et quasiment comme la musique d'ailleurs, puisque si vous consultez notamment le rapport que fait chaque fin d'année le cabinet Ernst & Young sur le divertissement en Afrique, la musique représente quand même essentiellement une grosse partie du chapitre entertainment. Donc voilà, donc c'est deux, pour moi, c'est deux industries, pardon, qui sont relativement liées, enfin même très liées même. Et je pense que voilà, donc si on arrive à démocratiser l'accès, si on arrive aussi à trouver des moyens créatifs pour les artistes de se rémunérer, je pense qu'on va pouvoir voilà, avoir un secteur qui va non seulement se professionnaliser, mais également créer peut-être d'autres vocations à terme. Merci beaucoup, Paula. Elvis nous a rejoint. Elvis est journaliste et réalisateur congolais. Il est également le directeur artistique de Tracivi. Bonsoir et bienvenue, Elvis. Bonsoir. Alors, je vous repose la même question à vous. Le futur de la musique et du divertissement en Afrique, comment le voyez-vous? Mais je vais rebondir un peu sur ce que disait Paola, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une visibilité qui est de plus en plus grandissante sur le monde entier. Les artistes, notamment nigérians, sont de plus en plus en vue, comme Burna Boy, Davido, Wizkid et consorts. Sur le Congo, je pourrais citer des artistes comme Fally Ipupa. On a la chance aujourd'hui d'avoir une bonne visibilité, et il faut désormais que les industries musicales soient plus structurées et puissent permettre de vulgariser au mieux les musiques africaines dans un premier temps. Et à partir de là, sur l'aspect musical, on a quand même la chance d'avoir du talent et on a quand même la chance d'avoir une reconnaissance mondiale depuis des années. Sur le côté divertissement, je pense par exemple à l'industrie du cinéma, à Nollywood, qui est l'un des fers de lance du cinéma africain actuellement. On a la chance de voir certains films qui commencent à rentrer sur des plateformes comme Netflix. Donc, Paola parlait de distribution, c'est, je pense, l'un des meilleurs exemples à donner.
Mais là encore, il y a un gros travail à faire de vulgarisation et d'accès à ce contenu-là. Les diasporas africaines aujourd'hui sont demandent ce type de contenu. Les gens locaux aussi demandent ce type de contenu. Il faut maintenant trouver une manière de vulgariser, d'investir déjà dans ces industries dans un premier temps, via l'État, via plusieurs processus, et derrière aussi de vulgariser via des plateformes adéquates. Comment arriver à cette vulgarisation? On a plus l'impression que ça marche, c'est plutôt il y a un groupuscule qui arrive à s'exporter, comme il y a aussi ce que très fréquemment nous impose, si je puis m'exprimer ainsi, l'Occident. Parce que même parfois pour la plupart des artistes, ce ne sont pas les grands noms qui sont produits au niveau local qui font le tour du monde, mais c'est plutôt ceux qui sont produits en hexagone. C'est comme je disais, je pense que c'est une question de structure. Aujourd'hui, par exemple, tous les artistes musiciens, la majorité des gros artistes musiciens africains sont liés à la SACEM, sont dépendants de la SACEM, et du coup, essayent d'être présents sur le marché français. Donc ça dénature un peu peut-être la musique et la culture, le rayonnement de la culture africaine. Si des bureaux comme le Burida ou d'autres bureaux en Afrique avaient plus de moyens et faisaient ce travail, par exemple, de collecte des droits à travers toute l'Afrique et à travers le monde, on aurait peut-être une concentration d'artistes talentueux qui resteraient en Afrique et qui continueraient à travailler sur le territoire. Donc, c'est malheureusement la situation actuelle et c'est une tendance qu'il faudrait inverser à terme. Paola, vous partagez l'avis de Elvis? Oui, c'est-à-dire que, en fait, je pense qu'il y a un véritable problème de vision et d'ambition et de volonté essentiellement politique. Parce que là, pour le moment, le milieu du divertissement, comme celui de la musique, s'appuie essentiellement sur le secteur privé, je dirais même à 95%, très honnêtement. Beaucoup sur les entrepreneurs culturels aussi. Donc du coup, ils peuvent faire ce qu'ils peuvent, mais jusqu'à un certain niveau. Il va toujours avoir un plafond de verre. Et ça, clairement, malgré tout le lobbying qui est fait, s'il n'y a pas un tout petit peu de courage politique, ou pour, par exemple, je donne un exemple comme un autre, avoir une approche de protectionnisme entre guillemets culturel, c'est-à-dire que donner une certaine avance, un certain avantage, et protéger aussi les artistes locaux, leur donner beaucoup plus de visibilité que ce qui vient à l'import. Ça, déjà, par exemple, c'est une manière de booster le marché local, de booster la consommation locale. Et on a vu que ça fonctionne quelque peu. C'est plus ou moins ce qui s'est passé au Nigeria, hein. C'est-à-dire que l'Afrobeat aujourd'hui a cette visibilité mondiale, mais il faut voir que la visibilité mondiale, c'est le résultat de quand même 10, 15 ans, j'allais dire même à échelle locale du Nigeria, quasiment de propagande pour que les gens délaissent un peu la musique essentiellement américaine et commencent à consommer local. Donc je pense que ça joue un rôle vraiment très important, le marché local, le pouvoir le protéger, pouvoir le stimuler aussi. Parce qu'on ne peut pas, j'allais dire, déjà parler d'industrie en tant que telle quand on a un volume de production qui est très bas. Alors c'est vrai qu'on peut parfois avoir l'impression qu'en Afrique, notamment sur le plan musical, qu'il y a beaucoup de choses qui sortent, mais c'est-à-dire que si vous faites des comparaisons avec les marchés étrangers, le volume de production en Afrique reste quand même très bas, pour des raisons, encore une fois, structurelles le plus souvent. Donc si on n'est pas très compétitif en termes de volume de production, ça va être très compliqué derrière d'avoir un marché qui soit suffisamment intéressant, qui soit suffisamment exportable aussi. Donc voilà, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc moi, je pense quelque part que les acteurs culturels, quels qu'ils soient, font beaucoup dans un contexte qui n'est pas déjà très évident. Effectivement, où il y a des problématiques aussi de professionnalisation, problématiques même de compréhension. De comment l'industrie est structurée et comment elle fonctionne et qui sont les différents maillons de la chaîne. Voilà. Donc du coup, c'est un peu un sac de nœuds, mais je pense tout de même qu'encore une fois, on a l'exemple nigérian sur la musique, et le cinéma, mais on peut citer aussi, je pense, un des très bons exemples ces derniers temps du côté de l'Afrique francophone, c'est vraiment le Sénégal sur la partie fiction.
et création de séries et de films, et notamment de séries, et notamment des séries qui se sont faites connaître par le web, hein, ce qui est très important parce que ça montre aussi qu'il y a eu un shift en fait de la télé et des canaux classiques. Là, on commence à aller sur autre chose. Alors bien sûr, après ceux La qui frontière consomment n'est pas sont... là. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est le public qui consomme est essentiellement de la diaspora, mais n'empêche quand même d'avoir certaines séries qui font quand même des chiffres, j'allais dire plus que respectables par épisode. C'est quand même c'est un signal très fort que ça envoie. Et clairement, on voit qu'il y a une stimulation au niveau de Dakar en termes de production de fiction en ce moment. Et je suis sûr que ça va avoir un effet ricochet à terme. Et je finirai rapidement là-dessus. Il y a le volume de séries sénégalaises produites, mais il y a également le business model de ces séries-là qui est très novateur, en tout cas pour l'Afrique francophone. Voilà, bien évidemment d'aller voir des sponsors, mais de fonctionner avec du placement de produits, etc., etc. C'est pas encore complètement automatisé du côté francophone du continent. Et justement, je pense que voilà, le Sénégal est vraiment en train d'ouvrir largement des perspectives. Et je commence à voir, moi, un peu l'impact, par exemple, sur l'Afrique centrale, notamment au Cameroun. Je commence à voir de plus en plus de web-séries qui commencent un peu à s'adapter à ce modèle-là et de contourner finalement les canaux classiques. Et à mon avis, voilà, il y a quelque chose à explorer de ce côté-là. Alors, vous avez parlé de marché, ce que je trouve très important, peut-être dans les zones anglophones, le rapport que les populations ont avec un bien culturel, ils savent que ça a un coût, mais ce qui n'est pas le cas du côté francophone, ou même vous donnez l'exemple de séries qui sont très populaires, qui sont de véritables succès, mais ces succès, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, parce que nos populations, d'une certaine manière, réussissent toujours à sortir de l'argent pour soutenir les gens qui sont dans le secteur de la culture, de la musique et du divertissement. Oui, alors, premièrement, je dirais que très honnêtement, c'est une problématique qui est pas spécifiquement sénégalaise ou africaine. On est juste dans une ère aujourd'hui où, notamment avec Internet, Internet, quelque part, c'est un couteau à double tranchant, c'est-à-dire que ça a énormément permis la diffusion. Mais de l'autre côté, qu'est-ce que ça a créé aussi? Que ça a un tout petit peu donné une illusion de perte de valeur du contenu. C'est-à-dire que tellement les gens sont inondés de contenu à longueur de journée et qu'il y a une facilité d'accès, en principe, que finalement, derrière, les gens se disent pourquoi, effectivement, je vais, en gros, dépenser pour eux-mêmes, streamer de la musique. Voilà, on parle du télé, on a tous vu l'impact du téléchargement gratuit sur l'industrie musicale. Hein, ça a été à l'échelle mondiale, hein, donc pas spécifiquement africaine. Donc, ça, ce sera la première chose. Maintenant, ce qui est sûr, les gens ont, quand on dira que les gens ont peut-être du mal à mettre la main à la poche, hein, pour payer du contenu culturel, je me permettrais de déjà contextualiser en disant que nous sommes en train de parler. Il faut qu'on sache exactement de quelle cible on parle. Si on parle d'une classe moyenne ou on va dire un peu huppé, entre guillemets. Elle, en général, je pense, n'a pas trop de problèmes. Après tout, je pense qu'on connaît tous des gens qui sont abonnés à Netflix sur le continent, donc c'est pas le souci. Par contre, hein, si on est vraiment sur du grand public, il y a juste des questions, on revient encore à des questions très essentielles de priorité, notamment sur le plan financier. Nous avons des gens qui ont, voilà, un portefeuille qui n'est pas forcément très égal. Donc, clairement, ils vont enfin, accorder de la priorité à certains faits ou à certains achats plus qu'à d'autres. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, effectivement, je pense que tout à l'heure, Elvis parlait de vulgarisation et je pense qu'il entendait aussi un peu sensibilisation, entre guillemets. Il y a cette partie-là encore qui est importante à faire. Et quand je dis sensibilisation, c'est une forme de peut-être de fierté pour les gens locaux, de consommer localement. Je donne toujours un exemple qui, moi, m'a beaucoup marqué. À Lagos, j'y étais pour la sortie d'un film qui s'appelle King of Boys, qui a été une des grosses productions, qui est d'ailleurs disponible sur Netflix. Donc j'étais sur place à Lagos lors de la sortie du film. Et en fait, c'était un dimanche qui en général est un peu le jour où la plupart des habitants de Lagos vont au cinéma en soirée. Et il y avait plusieurs films américains qui étaient à l'affiche, mais toutes les projections de King of Boys étaient pleines. Elles étaient pleines à 2 heures d'avance, elles étaient pleines. Vous n'arriviez pas à trouver de tickets et la moitié des salles projetant les films américains les salles étaient à moitié vides. Du coup, même les personnes qui vendaient les tickets préféraient rediriger ceux qui n'avaient pas eu de place pour le film nigérian plutôt vers les films américains, mais les gens préféraient attendre. Alors, c'est peut-être un détail, mais ça prouve
que au moins, je veux dire, on a une population qui n'est plus, entre guillemets, à convaincre en termes de qualité de ce qui est produit localement. Même quand, je veux dire, encore aujourd'hui, d'Hollywood s'est amélioré, mais ça reste encore, sur certains films, assez compliqué en termes de qualité. Mais les gens arrivent à aller au-delà de ça parce qu'ils perçoivent une valeur, parce qu'ils aussi sont attachés à la représentation culturelle qu'il y a dans leur film. Alors ça, c'est sûr qu'après, voilà, côté francophone, on n'a peut-être pas cette même, j'allais dire, cette même approche sur la représentation de nos traditions. Donc voilà, ça commence à arriver, mais c'est encore assez timide si on doit comparer avec l'Afrique anglophone et spécifiquement l'Afrique de l'Ouest anglophone. Donc je pense que ce sont des choses, à mon avis, qui voilà, vont probablement progresser, je l'espère, parce que mine de rien, voilà, on a quelqu'un qui travaille chez Trace TV. Je pense que si vous regardez les clips sur Trace, vous voyez très bien que, enfin, pour moi, il y a une grosse influence nigériane quand même, même côté francophone maintenant dans les clips, d'avoir, voilà, leur représentation en termes de valeurs, de tissus, même de sonorité, etc. On a vraiment une espèce d'afrocentrisme maintenant quand même qui est déjà plutôt bien accepté et que les médias relaient aussi, c'est important de le dire. Donc voilà, j'ose espérer en tout cas que les choses vont aller en ce sens-là et que du coup, les gens verront peut-être plus l'intérêt à effectivement sortir de l'argent pour payer un produit culturel. Elvis? Là, Paula, on peut tout résumer, hein. Je ne sais pas trop ce que je peux ajouter, mais c'est vrai que ce sentiment de fierté, il doit prédominer. Il doit prédominer. Moi, je me souviens de. Je suis congolais, et quand je regarde l'histoire du Congo, je me souviens d'une période où le président Mobutu avait parlé de zaïrianisation, avait parlé de retour à l'authenticité, de recours à l'authenticité même, pour être plus précis, avec le port de l'Abakos, qui est le diminutif de Abba Costume, avec la mise en avant de beaucoup d'artistes locaux comme Franco, comme Papa Wemba, etc., un peu plus tard, avec une réelle volonté justement de mettre le Zaïrois au centre. Et je pense que c'est une mentalité qu'il faut que les États, que les gens en place au pouvoir puissent donner et inculquer à la population. Le paradoxe aujourd'hui, c'est que les gens issus des diasporas, les populations issues des diasporas, ont de plus en plus ce sentiment de fierté. C'est bizarre, mais il y a quelques années, être congolais, c'était mal perçu. Ici, en France, on était toujours un peu en train de se cacher, essayer de masquer ses origines. Et aujourd'hui, ça devient de mieux en mieux perçu, et les gens revendiquent ce lien avec leur pays d'origine. Donc, je pense que si ce sentiment commence à grandir dans les diasporas, si on commence à avoir une vraie jeunesse qui s'identifie à leur pays d'origine, la moindre des choses, c'est que ce même sentiment puisse prédominer dans les pays en question. Et je pense que ça, c'est un vrai travail des gens en place dans les différents États. Et c'est un travail qui prendra peut-être du temps, mais lorsqu'il sera effectif, les résultats seront probants. Parce que consommer local, là on parle de divertissement, de plein de choses, mais si on parle d'agriculture, si on parle de toutes ces sphères qui aujourd'hui sont délaissées pour de l'import, consommer local, ça deviendra le début de la croissance et le début d'une vraie activité sur ces différents pôles. Tout à l'heure, Hervé, dans votre communication, vous avez parlé des questions de droits d'auteur aussi, où la collecte pose problème dans la plupart des pays d'Afrique. Alors moi, la question que j'aimerais vous poser est dans le futur, comment pensez-vous qu'il serait possible de faire en sorte que dans nos pays africains, nous ayons des sociétés aussi puissantes que la SACEM qui puissent collecter des droits d'auteur comme il se doit? Quels sont les mécanismes à mettre en place? Les mécanismes à mettre en place, c'est d'abord la reconnaissance, c'est d'abord, comment dire, le fait de pouvoir identifier les endroits où sont jouées les musiques. J'ai un bon ami à moi qui s'appelle Jean-Pierre Sec, qui fut pendant longtemps chez Universal et qui aujourd'hui œuvre activement pour ça, pour faire en sorte que dans chaque petit coin de ville de Dakar, dans chaque petit restaurant, dans chaque petite terrasse, nous puissions avoir des applications, des machines qui puissent permettre de détecter comment et quels sont les titres qui ont été joués. Je pense que ça, c'est la première des choses.
Malheureusement, comme je le disais tout à l'heure, j'ai l'impression que ce type d'action, que ce type de combat ne sont pas prioritaires. Et c'est vrai que de but en blanc comme ça, lorsqu'on a un regard extérieur, on va dire, voilà, la priorité, c'est d'avoir l'accès à l'eau potable, d'avoir accès à l'électricité, d'avoir des enfants qui aillent à l'école. Mais la culture joue un rôle très, très, très important dans tout ça. Et à partir du moment où on commencera à avoir justement toutes ces applications, toutes ces choses-là qui sont mises en place dans les États, on pourra commencer à effectivement avoir des retours sur ça et travailler sur la collecte des droits et redistribuer ces droits aux artistes. Donc je pense que c'est un peu aujourd'hui le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que les artistes ne sont pas estimés à leur juste valeur, donc vont toujours avoir des envies d'ailleurs, vont toujours être rattachés à des organismes étrangers. Et derrière, ben, les États vont voir cette fuite-là comme une sorte de trahison et ne pas investir sur les artistes. Alors que l'un des deux doit faire le premier pas. Et pour moi, c'est l'État qui doit faire le premier pas vers les artistes et leur montrer qu'il y a une vraie volonté de développer le secteur du divertissement dans les différents pays africains. Et au niveau des traces, quels sont les chantiers que vous avez engagés afin d'améliorer un peu ce futur de la musique et du divertissement en Afrique? Ben, c'est une très bonne transition parce que tout à l'heure, j'ai fait un parallèle entre musique et éducation, entre musique et jeunesse. Et ce qu'on s'est aperçu, nous, chez Trace, c'est que le secteur de la musique est en plein essor. On a une jeunesse qui est exceptionnelle, qui est très innovatrice. Et on reçoit pas moins de 350 clips par semaine, rien que sur l'Afrique. 350 clips par semaine, c'est énorme. Et ça prouve qu'il y a un vrai dynamisme de ce côté-là. Mais l'éducation reste la base. L'éducation reste la base. Et c'est pour cela que Olivier Laouché, qui est le CEO de Trace, fondateur, a décidé justement de mettre un peu ce focus sur l'éducation en créant une structure qui va s'appeler Trace Academia et qui va permettre justement aux jeunes qui n'ont pas accès aux formations, à l'école, de pouvoir justement s'instruire à travers certains mécanismes qui seront mis en place. Donc ça va demander de l'aide de beaucoup d'organismes, ça va demander de l'aide de beaucoup de sociétés privées qui vont nous permettre de mettre en place des formations adaptées à tous ces jeunes africains. Mais à terme, et ça c'est bien parce que c'est une vision dans le long terme, à terme on aura peut-être une génération de personnes plus éduquées, plus sensibilisées à l'impact de la culture sur les différents pays, qui seraient plus enclins à embrasser le secteur de l'entrepreneuriat, à créer des sociétés, à créer de la richesse et des emplois dans nos pays respectifs. Et je pense que c'est ça la base, c'est ça le commencement d'un essor sur le plan du divertissement et sur le plan de la culture, c'est d'avoir des gens qui sont sensibilisés, des gens qui sont conscients de l'impact de la culture dans les différents pays. Donc c'est un peu ça, je pense, la réponse de Trace aujourd'hui à ces différents défis. Alors Paola, pour un futur de la musique et du divertissement, les mécanismes à mettre en place pour un peu changer la donne et inverser la tendance dans nos différents pays? Alors, ça c'est un vaste chantier. Déjà, il y a essentiellement, je pense qu'il y a un besoin de lobbying pour rejoindre un peu ce que venait de dire Elvis au début de son propos. Il y a besoin, à mon avis, de mettre un peu de pression sur les autorités. Et les autorités en question, c'est bien sûr les ministères de la culture, mais également ministères des télécommunications, parce qu'encore une fois, aujourd'hui, on peut plus vraiment dissocier la tech de la musique ou du divertissement. Donc déjà, il y a ça à faire, ministère de la communication ou de l'information selon les pays. Donc déjà, à mon avis, il y a vraiment besoin qu'il y ait une meilleure organisation
des corporations qui ont des intérêts en ce sens-là. Et il y en a plusieurs. Ça va des labels indépendants aux majors, en passant par même les, encore une fois les entrepreneurs culturels, les associations, des artistes eux-mêmes, etc. Donc ça c'est la première chose. Et dans cette volonté-là, c'est déjà aussi de travailler, ne serait-ce que encore une fois pour parler des sociétés de droit d'auteur. Dans plusieurs pays, par exemple, vous allez voir qu'il y a deux sociétés qui sont supposés collecter les droits, ce qui bien évidemment pose problème, ne serait-ce que sur la collecte en elle-même, et aussi ne renvoie pas forcément un très bon message quant au manque de, enfin quant au professionnalisme du secteur. Donc déjà ça, faudrait régler ces problèmes-là en interne, qu'il y ait une seule institution qui soit habilitée à collecter les droits. Une fois qu'on a pu faire ça, il y a également toute cette partie, comme l'a évoqué Elvis, d'éducation à faire. Alors, d'éducation et d'information, parce qu'il y a quand même quelques entités qui, notamment... internationales, qui ont des programmes, qui ont des... formés, ce n'est pas souvent le cas. Pardon ? Allô ? Non, on n'a pas entendu une partie de la communication. Il y avait une... Ah, d'accord, ok. Donc, je disais qu'il y avait pas mal d'institutions internationales ou d'organisations, de fondations qui prodiguent des formations, parfois même gratuites pour les artistes. Malheureusement, parfois, l'information n'est juste pas relayée, ou en tout cas, n'est pas suffisamment connue. Donc, il y a peut-être un travail aussi à faire à ce niveau-là. Et je dirais, pour booster un peu les choses, aussi, parce que ça doit être un effort collectif et donc à toutes les échelles, aussi que les médias, sans forcément attendre que, on va dire, les ordres viennent d'en haut, c'est-à-dire viennent des autorités, à mon avis, les médias peuvent aussi faire un tout petit peu de boulot, un petit coup de pouce, comme j'ai dit, en rééquilibrant, par exemple, leur programmation. Ça peut être aussi bien les chaînes télé de rééquilibrer entre contenu local et contenu international, même s'ils savent, bien sûr, parce que discutant avec pas mal de gens dans le secteur audiovisuel, la vérité, c'est que bien sûr, ce sont les films, les blockbusters américains vont toujours drainer un peu plus d'audience, ce qui est normal. Mais le problème, c'est que du coup, ça réduit le champ pour les productions locales pour qu'elles puissent se développer. Donc peut-être aux chaînes de faire encore un peu plus d'espace aux productions locales, même si elles ne sont pas parfaites, mais au moins pouvoir leur permettre de s'exprimer. Et c'est forcément en produisant plus que les contenus vont s'améliorer en termes de qualité et donc drainer un peu plus de monde. Et donc, pareil, là, j'en parle pour l'audiovisuel, en tout cas spécifiquement pour la télévision, parce que en absence de j'allais dire, de parcs, de salles de cinéma très développées, la télé reste le premier écran en termes de diffusion en attendant qu'Internet rattrape un peu les choses. Et de l'autre côté, bien sûr, la radio aussi, qui reste encore un média très important sur le continent, aussi faire un tout petit peu plus d'espace, un peu plus de, j'allais dire, préférence nationale, entre guillemets, pour permettre vraiment à des artistes, même ceux qui sont les moins connus, de se créer un chemin, se créer un public et de pouvoir se développer. Merci, Paula. Audrey, vous êtes la fondatrice de l'agence Panel, le mot de la fin pour ce panel. Alors, le mot de la fin, merci déjà de m'avoir reçu. Le mot de la fin, je dirais, nous, à notre niveau, au niveau de l'agence, on s'est vraiment spécialisé ces derniers temps sur justement de la production de contenu que l'on espère qualitatif. Et on a un très bon retour de la part du public, à la fois de la diaspora et sur le continent, puisque nous avons fait le choix de diffuser les contenus sur Internet en priorité. Et donc, on espère justement pouvoir contribuer à notre niveau à faire avancer un peu les choses. Merci beaucoup, Paula André. C'était le panel consacré au futur de la musique et du divertissement en Afrique. C'était avec Paula André, fondatrice de Panel, l'agence Panel, et Elvis Adi Gema, journaliste et réalisateur congolais, qui est également directeur artistique de Trace TV. 5 minutes de pause et on vous retrouve pour le panel, pour l'interview consacrée à la musique et au digital en Afrique francophone, perspective et enjeu. Ce sera avec Dadi Lesuga à Tangana. À tout à l'heure.